le camp de la contrainte, c'est un camp thérapeutique pour les enfants avec une hémiparésie, ce qui veut dire que c'est des enfants qui ont une atteinte d'un hémicorps. Ça peut être hémicorps droit ou ça peut être hémicorps gauche. En 2008, il y a des thérapeutes au programme de DMC qui ont décidé de réunir des enfants avec une hémiparésie et faire un groupe. Fait qu'on est deux ergothérapeutes qui ont commencé à faire un camp, puis on a interpellé nos collègues physiothérapeutes à ce moment-là, et on avait aussi une éducatrice spécialisée. Et c'était notre premier volet, notre premier camp qu'on a fait là, en interdisciplinaire. Les clowns ont commencé à participer au camp, à faire des ateliers en 2012. Les docteurs clowns, on les connaît très bien. Ils viennent à Marie-Enfant deux fois semaine. Puis quand ils sont là en thérapie, en fait, c'est très motivant pour les enfants. Ça fait des thérapies qui sont faites avec beaucoup d'efforts, mais dans le plaisir. C'est ça qu'on vise. Donc, moi, je trouve ça très positif là, que les docteurs clowns participent au camp. Ce qu'on amène comme contribution, nous, c'est qu'on utilise le clown comme outil de valorisation chez les enfants. Mesdames et messieurs, le clown Ayoub! Pour faire du clown, on part de qui on est. Souvent, on dit qu'on a tous un clown qui sommeille en nous. Il s'agit d'aller le réveiller. Et bien, nous, c'est ce qu'on fait avec les enfants. On va les réveiller leur clown. On leur apprend à identifier les émotions qu'ils vivent à l'intérieur. Je trouve que vous avez cette force-là d'être capable d'aller chercher ce que l'enfant est capable de donner puis l'amener à travailler ça, à exploser, si on veut, ce trait de personnalité-là. D'être différent, c'était correct. Et les enfants, ça paraissait, oui, qui étaient capables d'être différents puis exprimer leur individualité puis exprimer leur propre personnalité sans jugement. Je pense que c'est ça qui est le plus important là, dans cette situation. Il y en a pour qui juste se lever de leur chaise et venir sur scène, c'est tout un contrat. Mais de les voir trois semaines plus tard sur scène faire un spectacle déguisé en clown et faire rire leurs amis et parents qui sont venus les voir, ben pour nous, c'est toute une vie.